Porto Santo est à moins de 300 km devant les traves du leader de la flotte, Finoco. Nicolas Troussel et Christopher Pratt maîtrisent leur sujet et ils sont solidement accrochés à la première place du classement. Les deux compères ne lâchent rien et cravagent dur pour accroître leur avance. Finoco avance bien, on a une dizaine de temps et on a eu une nuit assez calme et paisible. On attendait un peu moins d'air et finalement ça s'est vraiment très bien passé, donc ça nous a permis de bien nous reposer et de bien avancer. Juste derrière les leaders, le duo de Banque Populaire a ravi la deuxième place à Cercle Vert. Jeanne Grégoire salue la performance de Finoco et ironie sur leur facilité à contrôler la course. Donc il est un peu en ce moment depuis un moment, parce qu'il y a quand même un moment où il a lâché tous ses petits camarades au large du Portugal pour passer à travers la bulle. Il a un peu joué vers ce bulle. Mais ça, c'est un coup de Marseillais. C'est quand il y a un Marseillais à bord, j'ai l'impression que ça fait toujours ça. Puis voilà, on perd encore un petit peu. Il est mieux placé, je trouve, mais il est encore un peu en ce moment, quoi. Les Figaro Beneteau progressent à belle allure vers Porto Santo. Les partisans des options radicales, comme Gélima dans l'ouest ou Solarinos dans le sud, ont du mal à recoller à la tête de la course. Pourtant, Ronan Guérin, le skipper de Solarinox, n'est pas inquiet sur les écarts à la marque de passage. Le vent est revenu à 12 nœuds. Le bateau avance tranquillement, ceci, et on est tout seul au monde. La suite, c'est on continue en skibar à mur, là, pendant la moitié du chemin, facilement. Ensuite, il y aura un empannage. Tout ça, ça va déterminer les écarts à Porto Santo, mais ils sont pas très gros. Décidément, cette transat à G2R ne sourit pas à Eric Drouglazé. Après le retard subi au départ pour réparer sa grand voile déchirée, son coéquipier Christophe Bouvet s'est blessé à la main. Le duo de Luisina jette l'éponge et se déroute vers Lisbonne.